Bonjour, aujourd'hui vidéo et on va jouer à GeoGuessr, encore une fois. Après, ça fait longtemps mais bon. Tiens, on va reprendre la partie, j'ai même pas joué mais... Alors c'est ici tout simplement. Waouh, c'est beau. En tout cas il fait beau, ça c'est sûr. Ça doit être genre aux USA, encore une fois. Attends, faut déjà voir les panneaux comment ils sont. Déjà la plaque elle est peut-être floutée mais je peux reconnaître. La plaque est peut-être floutée mais c'est possible de reconnaître. On est aux USA, ça n'a aucun doute. Aucun doute dans le palier. Parce que sur GeoGuessr, j'ai envie de vous dire que non seulement c'est pas facile. C'est dans le jeu. Attends. Grenade. On est aux USA. Paral. Paral, c'est dans 86 km. On va aller jusqu'à Paral à pied alors. Bon, déjà, faut réfléchir où c'est. Ok, Paral, 86 km. Paral. Il faut trouver Paral. C'est une grande ville, Paral, je pense. Alors, on se met à cette vue-là. Valentine, ok. Il y a une ville qui s'appelle Valentine. Paral, Paral. Alors, je vais mettre Paral dans l'Arizona. Non, je rigole. Non. Là. Là, c'est un petit peu abandonné. Je vais mettre là. Là, combien? On est au Mexique? Waouh! J'aurais cliqué sur le Texas, ce sera beaucoup plus proche. C'est pas grave. 1400, je sais plus combien de kilomètres. Ah, ici au moins, on va être bien aidé. Ici, tu vois. Ah, un panneau, ça fait plaisir à voir dans une autoroute. Alors, on est... Alors, évidemment, on a fait une pause, hein, parce que... Ok. Quand j'ai vu Paral... Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on va voir en Europe, déjà... Cela peut être très bien en Europe. À 7. En Pologne, tiens, on va aller voir. J'ai une intuition que c'est en Europe. E65, il faut aller voir. E65. Kriegsbeuf. Nika, ta mère. Je m'emporte un petit peu donc on va se calmer directement. Ah, alors, ah, on trouve pas. Allez, on mesure par là. Je mets que guess. C'était en Croatie, 774 km. Alors, ici, on est dans un fleuve. Et ça me fait penser qu'on n'est pas en Europe parce que j'en sais rien, simplement. Bah, à mon avis, je commence à avoir une petite intuition dans l'air. Et l'intuition n'est jamais trop loin. On est au Pérou, hein. Un Pérou. Alors, ici, c'est un petit peu plus paumé. C'est moins paumé. C'est toujours aussi paumé. Ah, il y a le panneau. Il y a un panneau là-bas.
problème, c'est que les plaques, elles sont floutées. On peut pas voir comment elles sont faites, les plaques. On va mettre genre en Europe, on va mettre là. Je mets que guess. On était au Brésil. Tu te fous de ma gueule. On était au Brésil. Oh, pour le dernier, on va trouver. On est aux USA. Oui, je trouve directement, mais on est aux USA, c'est sûr. Là, tu vois, quand tu vois les lignes blanches et que tu vois des panneaux jaunes, hein, caractéristiques des de l'Amérique et des USA, parce que plus souvent... Et plus souvent, j'ai vu que aux USA, il y avait des panneaux. Et le problème, c'est que je ne sais pas nous sommes aux USA où nous sommes. Parce que les USA, ça avait le cul de poulet de tes morts. Donc, voilà quoi. Et on a fait combien? On a fait 7783 points. Ce qui est totalement merdique, hein, j'ai envie de vous dire. Je vous laisse. Allez, au revoir.